Mesdames et messieurs, il y a eu un bug, désolé, dans la 67e partie de The Witcher 3. Malheureusement, il y a eu un bug. Et en fait, ce que je vais faire, regardez bien ce qu'on va faire, on va le partager là-dessus. Ah, fuck off. Donc c'est ça, il y a une erreur Windows qui m'a popé dans la gueule. Donc j'ai pas j'ai complètement gelé, il a fallu que mon ordi reset tout seul. Désolé de ce malentendu, c'est des choses qui arrivent. Ah non, tu me niaises. Ton microphone fonctionne-tu? Test, test, test. Ouais, ok. Mais moi j'entends rien. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Ok. Donc, on est reparti pour la 67e partie. Désolé encore ce léger contretemps, c'est parce que mon GPMR2 était branché et fallait pas. Fallait pas. Débrancher la GPMR2 si il est branché que vous ne jouez pas à la Switch ou la console qui est branchée au GPMR2. Débranchez-la! Sinon, Windows va faire une erreur de merde. Puis ça, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Ok, donc on était rendu au marchand. Lui qui, on a fait un deal, je pense que c'était. Celui-là même. Et 200. Mon dieu, c'était quoi? je peux. 230 environ. Nous y sommes presque. 125? Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Reste. Très bien. Entendu comme ça. Bon. C'est dans mes cordes. Moyennant la coquette somme que je vous vois m'attribuer. Voilà. Donc, on était rendu dans cette grotte. Je vais vérifier si tout est bien. Il manque juste stream la base au cas où qu'il y a un follower. Ok. Ah, il était déjà ouvert. Fuck. Ok. C'est parti. Donc, on était rendu dans la caverne. Et on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Comme vu un monstre au loin, mais on sait pas trop c'était quoi. C'était weird. Ça fait un bruit de la mort aussi, hein. C'est ici, regardez, il est là. Qu'est-ce que c'est que cette merde?
On est brûlé. C'est quoi leur counter? Mon dieu, je sais pas c'est quoi ce monstre là. Ah, ok, c'est ça. Hard. Oh. Fallait savoir comment counter. Un coup de hard. Je pense qu'il reste plus rien. Non, ok, on peut foutre le camp. Alors, ce monstre ? Problème réglé. Le Shelmar qui hantait la caverne ne vous embêtera plus. Formidable ! J'y gagne un entrepôt, et vous, ma gratitude. Montrez-moi vos articles, voulez-vous ? Du bon fromage. Quand même un petit peu de cash. À plus tard. Sauvegarder au cas où on... Ok. Et voilà. On a un autre point d'interrogation par là, mais ça, ça m'a l'air d'être un village abandonné. Ah!
Voyons voir qu'est-ce que c'est. Avant-poste, Ryukan! Ah, quelle puanteur! Bon, ah, les harpies sont de retour, les harpies! Bon vieux harpies! Des harpies nichent ici. Mon père me harcèle encore pour faire des corvées. Mais il est mort là. T'as plus à faire des corvées là, t'es mort. Crée ça une bombe là-dedans. Oh, fout le camp. That's it. Paris qu'il y a quelque chose là-dedans. Ok, whatever. Hey, salut, Fideo Game! Fideo Game! Hey, j'aime le nom. Unique. Comment ça va? Bienvenue dans le streaming. La 67e partie de The Witcher 3. La difficulté Marche de la Mort, qui est la dernière difficulté du jeu. Et la difficulté du Gwent, qui est le jeu de cartes, à difficile. Tout est au bout. Et aussi, la progression des ennemis est activée. Donc, on peut pas mettre le jeu plus difficile qu'il est en ce moment. Y'avait-tu pas un autre waypoint par là? Oh, il y en a un autre ici, puis il y en a un autre là. Mais on va aller ici avant. C'est pas tant loin, on va aller voir qu'est-ce que c'est. Probablement un autre nid de monstre. On va voir. Oh. Oh, Harpy! Tu comptes me faire. Amène-toi. Je pense que c'est un nid d'harpie. Je suis pas mal pas sûr. Attends, c'est en dessous! C'est en dessous! Ça veut dire qu'il y a une caverne? Ok, il doit y avoir une caverne du coup. C'est mal ça? Amène-toi! Et one shot. Next!
Yeah! Easy. Vraiment easy. Les harpies là, c'est comme des... des fantassins de merde, c'est tellement facile à tuer. Ok, la caverne est où? Elle dit que c'est en dessous. Ours. On va le laisser faire des deux. Ah mais là... je comprends pas, elle est où l'entrée de la caverne? Que c'est en dessous. En dessous. Certainement y avoir un moyen. Il y a un chemin par là. Ah. Et c'est ici. On va suivre le chemin, peut-être que ça va nous mener vers une caverne. Non, ça c'est l'ours. Ce point d'interrogation, il est en dessous. On va aller par là. On va essayer de trouver l'entrée. Oh! La bosse sanglante. Oh! Ok, on est peut-être proche. En tout cas, ça dit que là-dessous, il y a un mob. Dessous ici, il y a un mob. Fuck, c'est un ours. C'est l'ours de tantôt. Bonjour, monsieur gros nounours. Je suis pas content avec les ours. Et voilà. Je l'ai démoli. Ok, ben... allez là d'abord. Je sais plus trop où, là. Peut-être que si je suis ce petit ravin, peut-être que ça va nous mener dans une caverne. Peut-être qu'en haut, il y a une caverne. Y'a pas de caverne! Ah.
Ah, d'accord. Déjà looté. Oh non. Ok, on va aller à l'eau. Voilà l'antre des monts. À l'aide, aidez-nous. Je m'en viens. Au secours, je vous en prie. Je m'en viens. Que se passe-t-il? Des monstres. Il y a des monstres dans la grotte. Nous avons pu fuir, mais Hugo est toujours à l'intérieur. Hugo? Notre frère. Il est toujours là-dedans. Ah, ouais. Soit que c'est une trappe. Aidez-nous! Retrouvez-le! Nous vous paierons! Soit que c'est pas une trappe. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-dedans? Nous étions perdus. Vous avez cru que c'était la grande route? Par mon petit menton tout rond, qu'est-ce que ça peut faire si on se promenait ou si on cueillait des champignons? Hugo est à l'intérieur et en grand danger. Voilà tout ce qui importe. Irez-vous le chercher, oui ou non? Chaque seconde compte. Vous avez vu ce qui vous a attaqué? Nous n'avons pas eu le temps. Nous avons couru vers la sortie dès que le sol s'est mis à trembler. Mais Hugo, lui, il est parti de l'autre côté. Des monstres ont surgi du sol, c'est ça? Je suppose. À vrai dire, je l'ignore. Nous avons couru sans nous retourner. Ah. Bon, tiens. D'accord. Je pars à sa recherche. Vous deux, restez là. Qu'est-ce que c'est que ces monstres là? Jamais vu ces monstres là! Et vu que c'est la première fois qu'on voit ces monstres là, on va essayer d'y aller de plus. Ça ressemble beaucoup à des. Des petits zombies dans Half-Life. Ah. La bouffe est pas active, c'est pour ça. Beaucoup. Je trouve ça moins chiant à tuer que les. Non, c'est des ouvrières, c'est des insectes. Fait qu'on va y aller avec. Okay.
grosse en arrière là. Moins chiant que les mobs. Et voilà. Il en reste d'autres. En tout cas, ça me dit qu'il en reste d'autres normalement. Qu'est-ce que c'est que ça? On veut ça au plus calice. J'avais jamais vu des monstres comme ça auparavant. Même là en dessous, ça dit qu'il en reste d'autres. Ah non, c'est-tu Hugo ça? Ok non. C'est de la mousse. C'est de la mousse sanglante. Ah non, Hugo. Il y a du sang frais sur la lame. C'était peut-être l'arme d'Hugo. Une trace de sang. Hugo est peut-être blessé. Chaud et humide. Les Kikimores préfèrent les endroits plus frais. Ça doit être pour ça qu'elles restent à distance. Bon sang. L'eau est brûlante. J'ai intérêt à faire attention. Une protection pourrait m'être utile. Avec Gwen, peut-être. Oh merde, you. Aïe. Vous êtes Hugo? Vos frères m'ont envoyé. Les ladres, les gredins, les scélérats. Ils m'ont attaqué, mais je les ai repoussés. Et voilà qu'ils m'envoient un coupe-jarret pour finir le travail. De quoi parlez-vous? Ils prétendent que des monstres vous ont attaqué, qu'ils sont parvenus à fuir, mais que vous, vous êtes restés bloqués à l'intérieur. Ils m'ont demandé de vous sauver. Vous ont-ils vraiment dit ça? Les sales menteurs. Sûrement encore une ruse. Oh là, du calme. Que se passe-t-il? Je suis Hugo Monard, le fils de Victor Monard. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'était un distillateur de cognac réputé. Avant sa mort, mes frères et moi nous disputions pour savoir qui reprendrait l'affaire familiale. Notre père a donc décidé de nous forcer à collaborer. Il a démonté son alambic et en a caché trois pièces, en indiquant un emplacement à chacun de nous. Quand mes frères ont appris que ma pièce, la dernière, était cachée ici, ils ont décidé de se passer de moi. Ils ont voulu m'écarter, définitivement. Le ton est monté et on s'est battu. Le bruit a dû réveiller les bêtes. Mes frères ont fui vers l'entrée, mais moi, j'ai avancé. La pièce manquante, vous l'avez trouvée? Non, mais je sais qu'elle est dans cette grotte. Ok. Sûrement au fond d'une fosse. Ça me gêne, mais... vu mon état, auriez-vous la gentillesse de me la rapporter? D'accord. Je m'en occupe. Avant, sachez que... je ne suis point riche. Je m'en doutais. Commencez à produire du cognac et vous me ferez un prix. C'est promis. Attendez ici. Oh, allez trouver ça, ce ring là. Oh. Voyons. Bon, faut faire ici, faut faire attention ici parce que l'eau est vraiment brûlante. Vous avez quoi? Ça va.
si brûlante que ça. Mais quand même. J'espère qu'il est encore là, le gars. Ok, fiou. J'ai trouvé la pièce manquante. Il l'avait bien cachée, votre père. Oh, fantastique. Votre argent. Je sais, ça fait peu. Mais je vous promets les meilleurs prix lorsque la taverne sera réouverte. Je saurai m'en souvenir. Oh, 5 bon, hein. Allons-y. Vos frères doivent piaffer d'impatience. Une minute, regardez. Mes frères, ils sont rassemblés des voyous, ils vont m'attaquer. On n'en sait rien. Soutenez-vous que c'est une coïncidence s'ils sont revenus avec des hommes armés? Ils veulent la dernière pièce de l'alambic. Ils me tueraient pour l'avoir. Pitié, vous êtes mon seul espoir. Tuez-les ou ce sont eux qui me tueront. Tuez vos frères. C'est vraiment ce que vous voulez? Eh bien, peut-être pas mes frères, mais la racaille qui les accompagne pour sûr. Quant à mes frères, vous pourriez peut-être trouver un moyen de les neutraliser. Oh, me défendrez-vous? Je n'ai aucune intention de tuer des gens à cause d'une querelle familiale pour une pièce de machine. On va les rejoindre, et vous allez régler ça en discutant. Mais s'ils nous attaquent, me protégerez-vous? Oui, s'il n'y a pas provocation. Allons-y. Perfecto. Hugo, tout va bien? Nous étions inquiets. Permettez-moi d'en douter. Écoute, pendant que tu étais là-dedans, nous avons réalisé que cette fâcherie n'a aucun sens. Tu aurais pu être gravement blessé, et nous ne nous serions jamais pardonné pareille chose. Lucien a raison. Passons l'éponge et travaillons ensemble, comme le souhaitait Père. Si vous venez en paix, ces hommes, que font-ils là? Ce sont des chasseurs qui bivouaquent non loin. Ils nous ont vus et ont proposé leur aide. L'attente a été longue et vous ne reveniez point. On pensait venir à la rescousse avec l'aide de ces hommes. Bon, content que vous soyez réconciliés. À présent, je dois m'en retourner à mes affaires. Naturellement. Tenez, votre argent. Merci pour votre aide. Si jamais vous passez près de notre taverne, le petit malin, arrêtez-vous. Notre cognac est un délice. Je n'y manquerai pas. Et voilà. Là, il reste encore des trucs dans la caverne. Comme vous pouvez voir, la caverne est blanche entre des monstres. Et elle est blanche, ça veut dire qu'elle n'est pas terminée. Et on va aller la terminer.
Bon, ils sont là. Ok. Antidote. Plus ça. Guerrière et l'autre, je sais pas c'est quoi. Ah, l'autre c'est une petite. C'est... Ils sont vraiment dangereux, ces monstres-là, c'est fou. Fait qu'on va mettre mon huile spéciale pour les insectoïdes. Parce que d'après moi, c'est des insectes. Ils font extrêmement mal. C'est ça qu'ils apparaissent! C'est ça qui font ça. Hein. Attends, ça va pogner ça? Putain de maman. Plus des jours. Là. Oh mon dieu, c'est quoi ce vent de poison qui est fait? Oh! Oh! Ok, nice. Un moyen en tout cas. Ouh. Ok, en plus deux autres. Dangereux. Eux, leur point faible, je sais pas, on va aller voir c'est quoi. Insectoïde. Ah. Guerrière Kikimorph. Miel blanc. Ah, il n'y a pas Igni, ok. Non, il n'aime pas Igni. Bon, ça va. Igni. De la magie. C'est un site d'énergie. Nice. C'était donc ça le point d'interrogation qui était en bas ici. L'entrée des monstres n'est pas terminée. Il est encore en blanc. Ça veut dire qu'il reste des monstres que. Ils sont pas morts. Oh. Voyons. Cher Martina Kryska, félicitations pour votre promotion à l'Académie impériale de Castelgropien. Ah, puis on vient de découvrir un monstre dans le bestiaire avec le livre que je viens de lire. On va aller par là, I guess. On arrive de par là. Il reste clairement quelque chose encore à faire.
là. Comment qu'on fait pour monter là? Par en haut. Ah, il est fini là. Nice, on peut foutre le camp. Voilà, une autre chose de faite. La quête le plus bas niveau, ce serait celle-là, le Gwyn. Le tournoi du Gwyn, qu'on pourrait clairement faire. Ici avant, on pourrait aller justement découvrir les deux points d'interrogation ici. On y va. Des idées. Plus vite. Oh, 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 qu'est-ce que je vois là? Oh là. Hey, bon petit géant. Oh, c'est un cyclope. Pas le temps de dormir, mon beau. Non, des cyclopes, j'ai pas de misère contre eux. Pas du tout. Je sais pas pour quelle raison, les cyclopes, je les démolis. C'est rendu easy là. Ah, regardez-moi comment que c'est beau. Cet abandonné est maintenant plus abandonné. Magnifique. Magnifique. Maintenant il reste allé ici. Plus vite. C'est tout ce que tu sais, ah, saleté. Sans retour, les sangliers. Ah, si je m'en vais pas à bonne place. C'est par en haut. Allô? Oh, chasse demande au trésor. Si je tomberais sur un objet abandonné par Merten. Ah. Why not, tant qu'à y être. Puis ici, ça dit que... Oh, ça! What the fuck is that? Wow, wow, wow! Arrête de crier! What the fuck? C'est quoi ça? Ah oh, oui, eux, ils sont... What the... Aïe, aïe! Calme-toi! Allez, approche. Connasse.
Oh non! Mon arme est endommagée. Ça fait longtemps, ça. Que j'ai pas eu une arme endommagée. Ok, c'est à combien? 7, on me tasse. Avec ça? Bon. Journal de trésorier avec une vieille clé. Fragment de journal taché de sang et de liquide céphalorachidien. Ça ne devait être qu'une journée de plus que m'employer au trésor ducal. J'aurais commencé la matinée par une baguette et du camembert, puis manipulé quelques parchemins avant de rentrer chez moi avant le crépuscule. Aujourd'hui, cependant, les choses ont pris un tour de plus inattendu. J'ai découvert des notes très intéressantes aux archives et une clé qui les accompagnait. Cette dernière est la découverte la plus intéressante, car d'après ce que j'ai pu déchiffrer, des notes poussiéreuses, elle ouvre un coffre en pièces d'or, mais je me laisse emporter. Et regardez-vous ce que ça l'a mené, les pièces d'or. La mort. Oh, on commence à manquer de place. Oh shit. Mémoire du bibliothécaire. J'ai détourné et volé, je l'admets, et j'ai honte de mes actes. Mais que pouvais-je faire? Mon salaire de scribe était si misérable que j'en étais et réduit à emprunter de l'argent de ma mère. J'étais un voleur, mais j'ai aussi fait beaucoup pour la bibliothèque du palais, qui a permis l'importation d'ouvrages comme la vie des prophètes, des homéorhultibus, de l'art des sages-femmes pour les jeunes filles et bien d'autres. Et le petit coffre. Nice. Commande, schéma d'armure de capitaine de la garde du cal de Toussaint. La couronne est bonne. La commande. Par décret de son illustre majesté, le duc a... Henri III, Jacques, Oleg, Sélecteur, Rio. What the fuck? On a des nouveaux schémas. Ça, c'est vraiment bien. Puis ici, on serait supposé avoir aussi un schéma de. Caché, là. De. L'école de quelque chose. Ah. Teinture d'armure noire. Oh, ça risque d'être intéressant. Ma couleur favorite, le noir. Le noir et le mauve, ce sont les deux couleurs. Peut-être en haut ici. Je vois une meilleure vision. Clairement en haut là-bas.
clair, moi. On va sauvegarder, là, au cas où que je tombe comme un cave. Là. Ça. Ça, c'est ça. Et voilà, le schéma en épée en acier d'école de la Manticore. Et un livre. Journal de prisonnier. Aïe, aïe, aïe. Les notes du journal suggèrent qu'aussitôt sorti de prison, Mertens s'est rendu à la caverne légendaire. Les Bioda est censé s'y être enterré autrefois. Caverne légendaire. La taverne légendaire. Très intéressant. Mais on n'était pas ici pour ça vraiment, hein? On était ici pour le point d'interrogation. Il y a des nids de monstres au nord. Mais là, ça fait déjà 53 minutes, ça passe beaucoup trop vite. Ça passe beaucoup trop vite, mesdames et messieurs. Oh, nice. Ok, on descend ici. On va aller par là-bas. On va aller s'occuper du nid de monstre qu'il y a là-bas. Je vais pas aller sur cette quête. On va aller faire un petit tournoi de Gwent. Why not? Un tournoi de Gwent, ce serait tranquille. Mais je pense qu'on va garder ça pour la 68e partie. Hein. On va juste s'occuper du minimum. Ah, il est dans sa lampe. Oh non, il va faire le truc. Il y en avait 3. Ah! C'était ici qu'on est allé prendre des photos. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, des... Putain, spectre! Mais qu'est-ce qu'ils font là? Oh, ils sont perdus. Ah!
Pas sûr de... au loin de voir qu'est-ce que c'était. Non, c'est des spectres qui se promènent dans même dans la journée. Tout tranquille. Mais là, ici, il y a des nids de monstres. Supposément. Là, ok. Passons. Oh non. Je n'ai plus de place. Cool, mais à l'inverse. Fait que ça, c'est 90. Ça prend une place pour la merde. C'est triste de voir un os mourir comme ça. Il est mort, il est mort. Bon, ça ici c'est fait. Oh, on est niveau 43 déjà, wow. On va aller ici parce que là, je sais pas pour quelle raison les nids, les deux nids qui sont en bas ici sont disparus. Qu'est-ce qu'on a ici? Un trésor caché. Ah, bonjour. Spectre. Il est direct dans mon... Non, non, pas encore le bug. Non, ça va reset. Ça va reset. Ben maintenant, c'est sûr, ça va être ça pour la 68e partie. Ça va laguer. Je suis désolé. C'est encore lagué. Je sais plus quoi faire. Faut que je reset ma manette. Je sais pas trop. Problème de manette Xbox 360. Ça va reset. Je suis désolé. Ça a encore fait le bug. Synchronisation des sauvegardes du cloud. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Mais, mesdames et messieurs, il va falloir qu'on conclue cette 68e partie. J'espère que vous avez apprécié. Merci à Fideo Game qui est venu dans le chat dire salut. Je lui ai dit salut. Et, mesdames et messieurs, ça va être ça. J'espère vous revoir dans la 69e partie. Comme d'habitude, c'était une partie excellente. Malheureusement, j'ai eu un bug avec mon HDPVR2 que, pour une raison inconnue, ça a fait crash Windows. Désolé pour ce malentendu. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis bonne soirée. Pour ceux qui sont là, restez là, je vais restreamer tantôt. Et pour ceux qui s'en vont, eh bien, je vous dis bonne soirée tout le monde. Et surtout, K!
Keep on gaming.